Ouija. Joseph? C'est débologué. Baspetao. Mon frère. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas à Paris? Excusez-moi, mon ami. Je ne voulais pas vous répondre aussi mal. Vous savez que depuis la mort de notre père, j'ai toujours dit que vous deviez prendre sa place. Je respecte les traditions corses. Quant'anni avete quand elle est morte, tuo amo? 8 anni? 9 anni? 10 ans. Et au 17. Et Napoléon 16. Et la nostra vita cambiava. Le désastre, monsieur. Qui me dit à Zempre, je la dîne. Sinon, comment tu vas faire pour devenir prêtre? Je trouve la dîne. Que tu y aussi dans Monte Cosi. Le sommaire. Ah, Corsica. Ma ricordate quando non cavalcavo? I fratelli Bonaparte che curivano bestemmati, pesti cheruti. Che vengo, mudiava. L'hanno visto i sorti, l'hanno visto i sorti, all'assalto, all'assalto. E tutti i sidelli di Ugherudi useguitarono, mudiendo e tirando le pedre, e tirando le pedre e mudiendo. A morte i francesi! A morte José, i francesi! A morte i francesi! Giuseppe! Je profetise qu'un jour il reviendra dans son île, come parmi... E parmi non d'asso. E questo. Et c'est avec lui, l'île retrouvera le chemin de sa liberté. Louis peignait des marionnettes. Pauline et Jérôme jouaient sous la table. Elisa et Mama brodaient quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Et vous, Joseph, vous étiez debout près de la porte. D'abord, ce fut le silence. Et puis, la colère de Napoléon. Et puis celle de Mame, et puis la vôtre. Et moi, malgré tout ça, je n'avais qu'une envie. C'était retourner auprès de Paoli. Non! Imaginons qu'un jour l'auteur change la pièce. Et le monstre vous demande de divorcer. Et vous le faites. Et en cadeau, il vous donne un royaume. Que croyez-vous qu'il va se passer? Vous le savez très bien, Lucien. Moi... J'ai été roi 2 fois, et j'ai toujours l'odeur de la chair brûlée dans les narines. Une petite irrégularité formelle ne peut pas faire oublier toutes ces victoires et tous ces services rendus à la nation. Il n'y a plus de liberté ici. Votre président, en signe de deuil public, abandonne les signes de la justice populaire. Réclamant la tête des personnalités les plus chères à notre pays, au nom de tous ceux qui, depuis tant de temps, ont été les victimes des fils misérables de la terreur, je félicite les soldats chargés de sauver la majorité de leurs représentants. Soldats citoyens, libérez l'orangerie, car ce ne sont plus les représentants du peuple, mais les représentants des poignards. Vive la République! Napoléon, que faisait-il? Il criait... S'il y en a un qui résiste, tuez, 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 tuez! Tuez, c'est le seul mot que notre frère connaisse! Taisez-vous! Taisez-vous, nom de Dieu, je lui hurle! Vous n'êtes pas en train de parler à vous, Mamelouk! Fermez-la! Si vous voulez vous sauver, et nous sauver tous avec vous! Donnez-moi cette épée! Écoutez-moi tous! Je percerai le cœur de mon frère s'il tentait quoi que ce soit contre la liberté des Français! Et dans la nuit? Vous avez fait voter les dispositions législatives nécessaires et Napoléon est devenu Bonaparte, premier consul de la République française. C'est neuf. Si papa revenait, il ne nous reconnaîtrait pas. Vabbè. Adieu, capito. Adieu, capito. Non c'è più nulla di... Luciano, scusatemi, sono proprio scomodato.
siete felici voi, la vostra moglie e i vostri figli e tutti i paesani di Atuscia. E ditegli che non ha più pensiero. Sarà di stato un morema con lo squadra. Un passato face da su e senza ingresso. Rien ne pousse. Manco a guerra per fare i libri. A buonanotte. Joseph, les plus belles choses que nous faisons dans la vie sont celles qui sont irraisonnables. Allons jusqu'au bout. Va comprendre les Bonaparte. Bien, Eugène. Moi, je ne bois jamais, mais il y a toujours un bon verre de Chianti.